Joseph ak Madame Potifa. Moun Ismaël yo te mene Joseph nan peyi l'Egypte. Rive la, Potifa yon moun peyi l'Egypte ki te chef nan gouvernement Pharaon ak komandan gad pale yo achetel nan men yo. Seigneur ya te kapè la avec Joseph. Li te fè tout bagay mache bien pou li. Joseph te rete kay met li moun peyi l'Egypte la. Met li tout te wè Seigneur ya te avec Joseph. Seigneur te fè tout zafèl mache bien. Potifa te kontan ak Joseph ak Jean li tap servi li. Li mette le responsable kay li. Li remet li tout sal te genye. Depi le Potifa te remet Kaili ansanm ak tout sal te genye bay Joseph, Seigneur ya beni Kaimoun peyi l'Egypte la pou tèt Joseph. Seigneur ya beni tout sal te gen la Kaili ak nan jardin. Potifa te lage tout zafèl nan men Joseph. Li pat okipe anyen anko. Se anik vin chita, manje. Joseph te vin yon bel garçon bien campé. C'est comme ça madame Metlia vin tombe pou li dit vin coucher avec non mais Joseph de refuser li dit met moyen pas occuper rien kap passer nan Kailia parce que moi là li lage tout bagay nan même moi gen même autorité avec nan Kaila. Li pa défend moins moyen anyen excepté ou même parce que c'est madame li ouye. Ki jan ou ta vle pou me faire yon bagay kon sa? Pou me faire péché ça contre bon Dieu. C'est chaque jour li té nan kwa Joseph. Mais Joseph té toujours de refuser coucher avec. Yon jour Joseph vin pou fè travay li nan Kaila. Laisse à personne pat la. Madame Lan Keberat Joseph li dit. Jodi ya c'est pour coucher avec. Le Joseph wè ça, li chapé kol met deyo. Li kite rad la nan men madame Lan. Madame Lan même, le li wè Joseph te kite rad la nan men pour courir aller deyo. Li rele domestik li yo. Li di yo, nou wè sa, mari mwen mene yon ebre na Kaila, me kounya li soti pou avilim. Li vini jwenn mwen jouk isit la, li vle pou m kouche avèl. Mwen pete rele, le li tan dem rele ya, misye kouri li met de yo. Li kite rad li la bo kote m. Madame la ki te rad la bo kote l, li ton met Joseph la toune la Kaila. Li rakote l menm bagay la, li dil. Esklav ebre ou mene la Kaila vin jwenn mwen jouk isit la pou avilim. Men, mwen pete yon rel, li kouri met deyo li ki te rad li bo kote m. Le poti fata de madame li dil sa domestik li ate fel, li mauve sou Joseph. Li fè arrêtel, metel nan prison kote yo fèmen tout prizonye wa. Se kon sa, Joseph trouvel nan prison. Men seigneur a te kapè la avec Joseph. Li montrel jan te remèl. Li fè chef prison gen Joseph konfyans. Li metel veye tout lot prizonye yo. C'est lui-même qui était responsable toute bagaille dans prison. Depuis li te remet yon bagaille dans men Joseph, li pas besoin occuper rien encore parce que Seigneur a été là avec Joseph. Seigneur a te fait toutes affaires marcher bien. Quelque temps après ça, chef Cambise ak chef boulanger ou à l'Égypte la te fait mettre yon bagaille. Pharaon te mauvais ni sous chef Cambis la, ni sous chef boulanger ya. C'est comme ça li te mette yo la kay commandant gad palais ya.
côté où te fermé Joseph dans prison. Commandant garde palais a mette yo sous compte Joseph pour servir yo. Yo passé quelques temps dans prison. Yon jour la nuit, en temps yo te dans prison, chef Cambiz ak chef boulanger wa te fait yo chaque yon rêve. Chaque rêve te gen sens pa yo. Le Joseph vin joine yo nan demain matin, li joine yo bouleversé. Li mande yo. Pour ki sa nou ka gou kon sa jodi a? Yo répond li. Nou chaque fè yon rêve, mais pa gen personne ici la ki ka explique nou rêve yo. Joseph répond yo. Est-ce que c'est pas bon Dieu seul qui ka explique bagay kon sa? Racontez moi rêve nou yo. Chef Cambiz la raconte Joseph rêve li te fè a. Li dit. Nan rêve moyen, mwen wè yon pye rezin devan m. Li te gen 3 branches. Branche yo pran boujonne. Yo fè fle, yo fè rezin. Rezin yo mi. Gogo de Pharaon te nan men mwen. Mwen pran rezin yo. Mwen pije yo nan go de Pharaon. Le fini, mwen bay wali. Joseph di li. Men sa rêve la vle di. 3 branches yo se 3 jours. Nan 3 jours, Pharaon pral sonje ou. Li pral mette ou nan position ou encore. Ou pral bay Pharaon divin jan ou te kon fèl avant le ou te chef Cambiz li ya. Men, le tout bagay va mache bien pou ou, pa bliye m, tan pri. Ran mwen servis sa, pale ak Pharaon pou mwen. Fem soti nan prison sa. Ouè, se vole yo te volem nan peyi Ebre yo. Isit la men, mwen pat fe anyen pou yo te metem nan prison. Le chef boulanje ya wè bel eksplikasyon Joseph te bay lot la, li dil. Mwen menm tou mwen fè yon rêv. Mwen wè te gen 3 pranyen pen sou tèt mwen. Nan pranyen pen ki te an wò net la, te gen tout kalite bagay yo te kon kuit nan fou pou wa. Men, zwazo tap manje yo nan pranyen an sou tèt mwen. Joseph repond li. Men sa rêv la vle di. 3 pain pain yo se 3 jours. Nan 3 jours Pharaon pral rele ou. La fè yo pan nou nan yon pied bois. Kote zwazo a vin déchèpiye ou. Sou 3 jours vrai, Pharaon ta fè yon gwo réception pou tout chef ki t'ap servi avèl yo. Paske se jou fèt li. Li fè rele chef Cambiz la ak chef boulanje ya. Devant tout l'autre chef yo. Li mette chef Cambiz la nan plas li encore pour servir. Mais li fè pan chef boulanger ya, Jean-Joseph te di yo a. Mais chef Cambiz la pa dormi rêve Joseph. Li bliye net.